Depuis trop longtemps, l'Union européenne a pris l'habitude d'exporter ses emplois et d'importer de la pollution en achetant des produits fabriqués à l'autre bout de la planète, à bas salaire et avec des usines très polluantes. Il est urgent de mettre un terme à ce désordre. Il y a un an, nous votions ici au Parlement européen l'état d'urgence climatique et environnementale. Mais il faut aller au-delà des mots. Défendre à la fois l'environnement et nos industries nécessite du courage politique et surtout la mobilisation des citoyens et des acteurs de la société civile au niveau européen. Et dans cette mobilisation pour le climat, le mécanisme d'ajustement carbone à nos frontières peut être, doit être, une réponse concrète et efficace. L'Union européenne a deux échéances. Réduire de 55% ses émissions de CO2 en 2030, puis atteindre en 2050 la neutralité carbone, c'est-à-dire l'équilibre entre les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre. Pour atteindre ces objectifs, le mécanisme d'ajustement carbone fixe un prix pour la teneur en carbone des marchandises importées par l'Europe. Cela revient à faire payer des droits d'entrée plus élevés aux produits qui ne sont pas respectueux de l'environnement. Prenons un exemple très simple. Imaginons une tonne d'acier fabriquée en Chine et que des entreprises européennes veulent acheter. Si cette tonne d'acier chinois coûte moins cher parce qu'elle a été fabriquée dans une usine qui ne respecte pas l'environnement et émet beaucoup de CO2, alors la différence de prix avec l'acier européen doit être compensée. Cela procure un double avantage. Ça va inciter les entreprises européennes à acheter de l'acier européen, moins polluant, de meilleure qualité aussi, et obliger les Chinois, dans notre exemple, à moins polluer eux-mêmes s'ils veulent continuer de commercer avec nous. De plus, l'argent récupéré peut être utilisé pour investir dans nos usines, afin qu'elles développent des procédés de fabrication encore plus vertueux pour l'environnement et donc plus compétitifs. La logique de l'ajustement carbone, c'est d'éviter ce qu'on appelle dans le jargon les fuites de carbone, c'est-à-dire les délocalisations d'entreprises européennes vers des pays dont les exigences climatiques sont moins strictes, voire inexistantes. Ce n'est pas une baguette magique, mais c'est un outil à la fois indispensable pour la transition écologique et bénéfique, très bénéfique, pour l'emploi. L'enjeu, c'est donc de nous éloigner de tout carbone, mais sans désindustrialiser, sans faire produire hors d'Europe les marchandises que nous consommons. Je le disais, jusqu'à aujourd'hui, nous avons exporté nos emplois et importé la pollution. Il faut que ça cesse. Le mécanisme d'ajustement carbone n'est pas une fin en soi, mais c'est un élément qui doit nous permettre de donner de l'ambition à notre industrie européenne, d'entamer une révolution technologique avec des emplois qualifiés et une production de qualité. Mais pour être vraiment efficace, l'ajustement carbone doit satisfaire trois critères. Premièrement, il faut s'assurer que le mécanisme d'ajustement carbone soit bénéfique pour nos entreprises, pour que celles-ci soient mieux protégées contre le dumping environnemental. Le taux d'ajustement carbone doit être suffisamment incitatif. Il serait en effet désastreux d'avoir un ajustement carbone au rabais qui ne s'opposerait pas assez à cette concurrence déloyale, écologiquement criminelle. Ensuite, il faut que nous sortions des cadres classiques du commerce mondial. Alors certes, l'Europe, on nous le répète assez souvent, est membre de l'Organisation mondiale du commerce. Mais l'extension à l'infini du libre-échange et la suppression de toutes les protections douanières, qui sont la raison d'être de l'OMC, ne nous permettent pas de sauvegarder la nature, la biodiversité, la qualité de l'air, le climat. Tous ces problèmes ne sont pas son problème à l'OMC. Et donc, elle doit changer radicalement ses règles, afin de les adapter à l'accord de Paris, faute de quoi il n'y a aucune raison de respecter à la lettre, comme le fait obstinément l'Union européenne, toutes les règles de l'OMC, contrairement d'ailleurs à la Chine ou aux États-Unis qui, eux, de toute façon, ne jouent pas le jeu. Enfin, je souhaite allouer des financements supplémentaires aux entreprises dans leur effort
d'innovations responsables, ce qu'on appelle les technologies de rupture, qui permettront de produire sans nuire au climat. L'objectif, c'est bien de ramener en Europe les chaînes d'approvisionnement, les pièces détachées, les composants. Avec un bon ajustement carbone, les entreprises européennes seront incitées à les relocaliser. Et là encore, si les vieilles règles du commerce mondial s'y opposent, alors changeons-les. Parce que si nous en avons la volonté politique, nous trouverons les moyens juridiques. Voilà sous quelles conditions je croirai en ce mécanisme d'ajustement carbone. S'il est bien conçu, s'il est bien pensé, la lutte contre le réchauffement climatique sera plus efficace, l'emploi industriel sera mieux protégé et la souveraineté des peuples européens s'en trouvera renforcée.